Ok, allez, bonjour tout le monde, c'est Brom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler du live 12h. Oui, en effet, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 2 ou le 3 décembre. Et il va y avoir un live 12h comme tous les 6 mois sur la chaîne. Comme tous les ans, il y a à Noël et comme tous les ans, il y a durant les grandes vacances. Donc vers juillet et août. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le programme, ce qui va se passer. Le pourquoi du comment, etc., etc., etc. Donc, il faut savoir que le live 12h se fait le 5 janvier 2020. Donc, le dimanche 5 janvier 2020, de midi à minuit, 12h du coup, nous allons donc faire ce live 12h. Alors, le live va être sur plusieurs jeux. On va faire des jeux divers, on va faire des jeux plus simulation, des jeux un petit peu plus différents, on va vraiment varier, il va y avoir plein de nouveautés et je vais vous expliquer un petit peu le programme. Le programme du coup des trucs, je reprends ma petite feuille. Parce que oui, nous faisons les choses comme il le faut et nous avons une petite feuille avec tout ce qu'il y avait noté. On a fait une grosse réunion il y a une semaine plus ou moins sur ce qu'on allait faire durant ce live 12h, le pourquoi du comment, ce qu'on allait mettre en place, etc. etc., etc. Donc, il faut savoir que tout simplement nous commençons à midi avec du Farming Simulator 2019. Donc, Farming Simulator 2019, ce sera la BGSL. Donc, c'est comme la FSL, donc la Farming Simulator League, sauf que c'est sur ma chaîne. Donc, c'est la Brom Gaming Simulator League. Ce sera pas sur leur carte parce que j'ai pas pu la voir malheureusement. Mais ce sera sur une map que nous on va mettre en place, qu'on va essayer de faire comme il se doit pour vraiment que ça fasse quelque chose de propre et de sympa. Donc il y aura des tournois, on sera 2 contre 2 à chaque fois. S'il y a des abonnés, c'est encore mieux. Voilà, donc vraiment, ce sera 2 contre 2. Il n'y aura pas de mode, il y aura juste une carte à télécharger, c'est tout. Mais pas de mode, et vraiment, ce sont des activités, vraiment, de la moisson, du pressage, du ramassage de bottes, etc., etc. Ça va vraiment être un délire, et ça, ce sera pendant 1h30, 2h, plus ou moins. On verra un petit peu ce que ça dit. Ensuite, on passe sur quelque chose un petit peu plus... Avec plus de sensations, j'ai envie de dire, dans le sens où on va partir sur tout ce qui est conduite. On va partir d'abord sur du The Crew 2 pour mettre en forme un petit peu le fait que voilà, c'est de la conduite, etc. Donc The Crew 2 pendant une heure et demie. Ça dépend en fait ce que Farming va nous prendre comme temps. Donc une heure et demie de The Crew 2 tranquillement. On verra, ça va vraiment être posé quoi. Vraiment, sans pression, on fera quelques courses. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y aura pas de problème, machin. On se captera, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça c'est pour The Crew 2. Ensuite, on passe à ETS2. Comme j'ai dit, niveau conduite, on reste dans la conduite. Niveau ETS2, du coup, on partira du dernier endroit où on s'était laissé, le dernier live ETS2 avant le live 12h. Dans les environs du 20, plus ou moins. Il y aura le dernier live, je pense, ETS2. Ou un petit peu plus tard. Mais ça, vous le saurez en temps et en heure. Donc on partira de là. Il faudra sûrement la promode si elle est ressortie. Ce qui est pas sûr, mais si elle est ressortie, il faudra sûrement la promode pour aller sur les serveurs multi-promode parce que c'est quand même plus joli, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, si vous voulez, vous pourrez nous rejoindre aussi par rapport à ça sur ETS2. Il n'y a aucun problème, il faut juste avoir un camion vert foncé ou vert clair, mais pas trop trop clair, dans les tons de l'entreprise du coup. Dans les tons de l'entreprise du coup, Lime Teams Company. Voilà, je retrouvais plus le nom de ma compagnie de camion, c'est génial. Donc ça c'est pour ETS2, ce sera 2 heures du coup de convoi. Ensuite, Fernbus. On continue sur la conduite, on revient sur quelque chose de plus calme, en solo, pour discuter vraiment ensemble, tranquillement, sans pression. Donc voilà, vraiment, du Fernbus pendant 1h30. On fera un petit trajet à travers la France. Vous verrez, ce sera plutôt sympa, on pourra vraiment parler tranquillement. Ensuite, on va faire 1h30 de jeux d'hiver. Enfin, une heure et demie, ça dépend de ce que Fanbus nous prend comme temps. Mais 1h30 de jeux d'hiver, ça peut très bien être du Call of Duty Modern Warfare, ça peut très bien être du Cooking Simulator, ça peut très bien être du Minecraft, ça peut être du pas du The Hunter, du House Flipper, du Black Squad. Enfin bref, vraiment plein de choses qu'on pourra faire, que c'est vous qui choisirez. C'est vous qui allez le choisir, en fait, tout simplement. Durant le live, il y aura un Stropol. Depuis le début du live, avec tous les jeux possibles qu'on fasse dans cette partie-là. Et il faudra aller voter. Et au début de cette partie-là, on ira voir le jeu qui a le plus de votes.
et on verra du coup quel jeu on fera durant cette partie. Voilà. Donc ça c'est 1h30 avant de manger. Ensuite pause midi, minuit, pause dîner 30 minutes, le temps de manger. Ensuite on passe sur du Farming Simulator 19, on revient avec du Farming, donc de 20h30 à 22h30 plus ou moins, ou 22h30, 23, on verra. Donc FS19, où là ce sera le défilé de mode, donc c'est une idée de GT, c'est une très bonne idée. On fera vraiment des essais sur différents modes, donner les caractéristiques, les points forts, les points faibles, voir un petit peu niveau de la qualité, niveau de vraiment niveau de tout ça. Et du coup il y aura un vote, du coup un classement des meilleurs modes de la soirée. Et ça peut vraiment être sympa. Et ensuite The Hunter, pour finir le live du coup, 1h, 1h30 de The Hunter, jusque minuit, vraiment pour la fin du live détente. Vraiment on se prend pas la tête, on va chasser tranquillement, vraiment sans pression. Et je pense que ça peut vraiment être bien. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est bien qu'on joue, machin, que je vous fasse des jeux et tout. Mais c'est pas tout. Durant ce live 12h, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. Tout d'abord, je pense que je vais vous le dire, il va y avoir un possible recrutement pour 2020. C'est-à-dire que durant ce live 12h, tous ceux qui voudront, il y aura un questionnaire à compléter. Et vous pourrez tenter de rejoindre la team, de rejoindre l'équipe. Et donc il faudra, voilà, vraiment répondre à un questionnaire. Et ensuite on vous prendra en vocal et on essaiera de voir pour savoir un petit peu, en apprendre un petit peu plus avec vous. Mais vraiment un recrutement parce qu'on a besoin pour 2020 pour faire les projets qu'on a et pour faire les séries qu'on veut faire. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu ce qui va se passer. Il va y aussi avoir un concours photo. Alors ce concours photo, il faut que je vous en parle maintenant. Ce sera tout simplement un concours photo sur ETS2 pour tenter de gagner le nouveau DLC map qui va sortir, enfin qui sera sorti du coup durant le live. Donc ce sera tout simplement un concours photo. Vous avez à partir d'aujourd'hui, donc le 2 ou le 3 janvier, décembre pardon, jusque le jour du live, la veille, enfin ouais non, le jour du, la veille du live, ouais ouais, la veille ou l'avant-veille, enfin le 2 ou le 3, du coup ça vous laisse un mois pour poster votre plus belle photo ETS2 dans le chat qui est prévu à cet effet. Donc ce sera une photo, la plus belle, donc vous avez un mois, donc vous avez le temps de choisir la plus belle photo que vous avez, un mois pour faire vraiment une belle photo, une photo vraiment stylée. Et ensuite ce sera classé et nous on fera un vote et on vous laissera aussi le temps du live pour faire des votes. Voilà. Ensuite il va y avoir peut-être par-ci par-là durant le live, hop, des clés qui vont passer, des giveaways, des machins, des trucs. Et donc ça il faut être là dans le live. Ça peut tomber à tout moment, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va le faire tourner. Ce sera voilà, j'aurais envie de faire tomber une clé, hop, ben, il y aura une clé qui tombera. Donc voilà, vraiment, ça va être... ça va être quelque chose. Donc voilà, il y aura, je sais pas combien de clés il y aura, ça dépend du budget qu'on peut mettre. Mais voilà, comme ça vous savez, c'est vraiment, il va y avoir des clés qui vont sûrement partir par-ci par-là. Il y en aura une là, jeu là, etc., etc., etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à participer au concours photo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, à activer la cloche, c'est très important. Aussi, à venir sur les lives, sur les vidéos, lâcher des pouces bleus. Rejoindre les réseaux sociaux, le Discord, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer sur Discord aussi. Donc voilà, venez sur tout ça. On se retrouve très bientôt. C'était Borom. A plus tout le monde. Plus. Ciao, ciao.